congodialogue.com. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur de gloire Jésus-Christ soit avec nous. Bien-aimés, aujourd'hui c'est le septième jour de notre séminaire dont nous avons commencé le dimanche passé. Le thème, changer les situations chaotiques, modifier les circonstances négatives. Bien-aimés, j'ai une très bonne nouvelle, Dieu nous a fait grâce. Dans les kanaba WhatsApp, il y a Église Nabiso Armée de Victoire. Il y a Église Armée de Victoire. Tozana WhatsApp, Opération Blessing et Fungoma et Payamama Michou, Kunana Cape Town. Naba Ndekonara Moussous, Bassal Nanzambe, na Zambie et ailleurs. Mais Dieu nous a fait grâce. Depuis hier, Dieu a touché le cœur de ma fille Francine, qui est à Bruxelles, à Zana YouTube Naye. Abandi koleki sa ba message nanga audio na YouTube na ye otobengi Congo dialogue. Que Dieu te bénisse ma fille Francine Ngembe, gloire à Dieu. Donc maintenant bat bazolanda ba message nanga non seulement na WhatsApp et comme petit na YouTube, que la gloire revienne à Jésus. Bien-aimé, message na biso otozali ko kabola na kat na séminaire, changer les situations chaotiques et modifier les circonstances négatives. Mulingami, bien-aimé, nalingi naloba ke nzambe akotika la nzambe. Landa na boke bi message prophétique oyo. La femme sage apporte le changement aux situations chaotiques et modifie les circonstances négatives. Ba mabala mingi zana ba problème parce que nous avons deux types de femmes. Vie ba problème ekota à cause de ces deux types de femmes. Nous avons la femme insensée et la femme sage. Oh, gloire à Jésus. Bien-aimé, dans la Bible, tu y es dans Genèse chapitre 2, verset 16. Dieu dit à Adam, l'Éternel Dieu ordonna, et comme ordre, Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Molingami, ce que tangi passage biblique, au côté d'un niveau, il y a méditation. Bien aimé, il y a étude, il y a Bible. Bien aimé, au vando, tali amouna bokebi, tango nzamba loba ki na Adam, Ève, physiquement parlant, n'était pas là. Pour ceux qui te voient dans verset 21, alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qui endormit, il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. Le verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Tant que nous avons une alliance na Adam, Ève n'était pas là. Tant que Ève a l'amouki, Adam est bissier. Mais tala sukoyo, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 3? Tolongwe na chapitre 2. Le serpent était le premier, chapitre 3, premier verset. Le serpent était le plus risé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait, Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit, landa yango na bokebi, molingami ozo landa biso na séminaire, changer les situations et modifier les circonstances. Une femme sage dans une nation, bien-aimée, dans une famille, dans le mariage, elle peut changer les situations et modifier les circonstances. Tala malam ou bien-aimée, la femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin, mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Ève, Bible bengi, l'obananzambe bengi, une femme insensée. Elle a ajouté ce que Dieu n'a pas dit. Dieu a dit dans Genèse chapitre 2, verset 16-17, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Mais tu as la succombe dans Genèse 2, dans Genèse 3, verset 2. Genèse 3, verset 3. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Yoko Yabakisi, vous ne toucherez point de peur que vous mourrez. Dieu n'a jamais dit à Adam, vous ne toucherez pas. Vous ne toucherez point. Alors, qui na Adam, vous ne mangerez point. Hier, qui kobakisa, vous ne toucherez point. Et l'ingo laksanine, bien-aimé. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Il était devant le, elle plutôt, était devant le père du mensonge. Asumuki yambo, aliafoui, aliasabobal naefoui. C'est ça la révélation prophétique. Bien-aimé. Nous avons besoin de la révélation.
On nous a toujours prêché. Adam et Eve, balia ki mbuma yango basumukaki. Li sumu ya Adam et Eve utaki na lokuta ya Eve. Elle a menti. Dieu a dit vous ne toucherez point. Li sumu ezali ko sala oyo nzamba lobite. Dieu a dit vous ne mangerez point, mais ya lobi vous ne toucherez point. C'est que Dieu n'a pas dit à Eve. Mulingami, nous avons deux types de femmes. Il y a des femmes qui peuvent changer les situations chaotiques et modifier les circonstances négatives. Eve a bébisi alliance oyo nzamba sala ki na mobali na ye Adam. Bien-aimé. Eve, elle a fait tomber Adam. Adam qui était chef. Adam qui était, bien-aimé, le chef de la planète Terre. Mais à travers mensonge, il y a moi si na ye Eve. Bien-aimé, une femme insensée. Adam a tout perdu. Peba bengana kaye na chande dede. Malheur et koti. Bien-aimé, nous pouvons parler du mariage. Basi msu bazalaka malamute. Basi msu bazalaka boyete. Bien-aimé, le Seigneur m'a révélé. Nous avons besoin de la révélation. Que ici-bas, il y a des hommes, des femmes plutôt sages et des femmes insensées. Soki okutani na une femme insensée, oyo alingi ko bongo la makambo, oyo azali ko sala makambo non contraire na volonté na Nzambe. Atake ndaka na église, azali chrétienne charnelle, elle n'est pas une chrétienne spirituelle. Aller à l'église, ce n'est pas synonyme de mettre en parole la pratique, en pratique la parole de Dieu. Okendaka na église, opesaka na offrande, olataka ba kitambala, ba robe mi laiti na makolozo mona na te, mais bizaleli na yo aux ezali conforme na parole de Dieu. Ève était une femme insensée, bien-aimée, a détruit bon ya mobia Adam. Génération ya Ève ezali ti lelo, l'esprit ne meurt pas. Il y a encore la génération de Ève au kuta na mo sa ndengwana misala na yo baby, mombongo na yo baby, libala na yo baby. Il y a la génération de Ève. Azako Kosa, le père du mensonge, c'est le diable. Eva Koutani na diable. Le diable, c'est un esprit. Il s'est incarné. Molingami na kati na serpent. Tant que dialogue et salami. Abakisi di kambo nzamba lobela ki adante. Molingami, nous devons faire très attention. Ma soeur, mon frère, foyeba osolo la kananani. Ma solo moussousa na mouna posate. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mères. Bien-aimé, Ève, vous ne mangerez point le fruit de l'arbre de la connaissance et du mal. Mais à quelque connaissance, elle dit koyeba. Ozala qui devant Ève, na tongo, na pokwa, nzambaza koya, azo solo na Adam. Ève, aza présente. Mais tala lo lenge mungu na ye, na ruse na ye, aye ko séduire. Et ba koma ki na ba situation moko chaotique, ba circonstance na bango ebe ba ki. Pourquoi la femme était, ba zala ki na femme to bengi, une femme insensée. Une femme qui n'obéit pas à la voix de Dieu. Une femme qui ne fait, qui n'accomplit pas la volonté du Seigneur. C'est ça la femme insensée. Mulingami, par la connaissance du mal, Ève a mis le monde par terre. Le péché adamique et koti. Pendant une tolobarate, péché evnique à cause de l'alliance. Dieu n'a pas fait alliance avec Ève, mais avec son mari. L'homme a écouté la voix de son mari. Et Dieu a dit non, moi je n'ai pas fait l'alliance avec Ève. Tu pouvais aussi refuser de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mon lingami, j'ai une dimension, mon soussou. Fruit ou anezali, fruit à arbre et à connaissance du bien et du mal. Mais tant que liango. Au lieu de la connaissance, il y a bien na du mal, bien aimé, les ténèbres et la lumière et qu'on vend des sikamo côté. Bah, liaki, moi si, à kosamaki, na serpent. Le père du mensonge. Et il y a quand ça qui s'occupe au lié, yango. T'as besoin de connaissance, il y a bien na ya mal. Mais n'est-ce qu'à kosamaki, na moutou, azaki, na connaissance, il y a mal, les diables. Bah, hériter les mal. Et côté de génération à génération jusqu'à nos jours. Mais Dieu est merveilleux. Dieu est infiniment bon. Bien-aimé, Dieu peut changer, notre Dieu peut changer tes situations négatives, tes circonstances chaotiques. Mais ça, quand on a nzela liloba, nzela na basantu ba yenke beni. Aujourd'hui, bien-aimé, je parle de la femme. Si tu as une très bonne femme, les situations et qu'on changer, la circonstance et qu'on a la modifier. Bien-aimé, Ève
par la connaissance a mis le monde par terre. Molingami, nani da ebi sawe loko moko biyerebe. Moi si ozana ye oyebi makanis na yete. Mobali ozana ye oyebi makanis na yete. Bana ozana bango oyebi makanis na bango te. Bongo yo lingi oyeba nzambe, oyeba nzambe ndengeni. Bible lobi nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Bien-aimé, si tu le sens que tu es toi-même nzambe na molai na yeti na toi-même nzambe complètement, c'est qu'il n'est plus, il n'est plus Dieu. C'est pourquoi il est écrit, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Bien-aimé, Dieu ne se connaît pas, mais Dieu se révèle. Dieu ne se connaît pas, mais Dieu se révèle. Dieu s'est révélé à nous, bien-aimé. Dans les jardins, il y avait plusieurs arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il y avait aussi l'arbre de la vie. Satan ne pouvait pas voir l'arbre de vie. Cet arbre, bien aimé, n'est pas au niveau de la connaissance, mais il faut une révélation. Satan y est à mon égard arbre à connaissance, il y a bien un mal, mais à mon acquis arbre de vie, bien aimé. Il y a une différence entre voir et regarder. Satan ne voit pas, mais Satan regarde. C'est un langage spirituel, bien aimé. Satan ne voit pas, mais Satan regarde. Il y a aussi une différence entre écouter et entendre. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, l'arbre de vie, Satan n'a pas pu voir l'arbre de vie. Cet arbre n'est pas au niveau de la connaissance, mais il faut une révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, une femme, Marie, fiancée à Jésus, a eu la grâce de l'arbre de vie. Une femme, Marie, fiancée à Joseph plutôt, a mangé l'arbre de la vie, la parole de Dieu. L'arbre de la vie, la parole de Dieu est entrée dans les oreilles de Marie. La vie est entrée dans l'oreille de Marie, bien-aimée, fiancée à Joseph. La vie est descendue dans le ventre de Marie. Et après 9 mois, oh gloire à Dieu, la salutation de Dieu est sortie. Jésus-Christ est la salutation de Dieu aux hommes, bien-aimés. Marie a relevé le monde, mais Ève a détruit le monde. Par la désobéissance. Marie était obéissante, bien-aimée. La salutation mystérieuse, la salutation prophétique a ébranlé la vie de Marie. Cette salutation vient du royaume, bien-aimée. On ne salue pas avec la main gauche, mais on salue avec la main droite. Et aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père. Oh, gloire à Dieu, je ferme la parenthèse. C'est un message très prophétique, bien-aimée. Ici-bas, nous avons la génération de Ève et la génération de Marie. Génération à Ève, balingi koye ba mingi. Moi ça liba la linga koye ba mingi te. Yeba o mobala la kisio. Mais le tozo mabala ezo kufa. Ezana na mboka, ezana libanda mboka. Po ba génération ya Ève, balingi koye ba mingi. Yo Ève, ovandaka na jardin d'Eden. Na mobali na yo ba bengi na kombo ya Adam. Oyo ki mungongo mususu o ezaya nzambe te. Il fallait signaler ton mari. Elle ne l'a pas fait. Le nom de tout le monde, Bastia Libala. Baliko yo kama kambo libanda ya ba kamarade na bango. Bespérience ya ba mabana moussouchou. Oh, bien-aimé. C'est vraiment regrettable que le Saint-Esprit vous aide. Sur la génération, il y a Ève. Luka penanzambe na mozindo a toke ndaka n'église. Nous avons des chrétiens charnels et des chrétiens spirituels. Bien-aimé. Jésus a pensé qu'il y cesse à 10 femmes vierges. Bamusu bas bange bazai na minda ba mitano oui les ala quitter et lembo muli mosantu laisse ta vie soit elle sera conduite par le Saint-Esprit et les choses vont changer d'elles-mêmes parce que là où il y a le Saint-Esprit le diable n'a plus de pouvoir. Bien-aimé, Marie a relevé le monde. Elle a reçu la révélation. Ève a détruit le monde par la connaissance du mal. Nous avons la connaissance du bien, mais elle a reçu la connaissance du mal et le monde est détruit. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Mais par le premier Adam, par le deuxième Adam, le péché, ici là, a détruit Gango, a sikolibiso du péché, de la mort et de la condamnation. Bien-aimés, nous avons la génération de Marie. Bible Zotali Sabiso. Baye koli bazana Yesu. Mais bazo ye bate, oyazanani. Le premier miracle est salama na katina Biblia, na katina vie à Yesu. Et c'est là qui est provoqué par la femme Marie, qu'elle avait la révélation. Tout ça dans le livre à Jean, chapitre 2, évangile selon Jean. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, Marie. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin.
Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Tala, Marie, sa mère, dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Parce qu'elle avait non la connaissance, mais elle avait la révélation. Ève avait la connaissance du mal. Marie, fiancée de Jésus, avait la révélation de l'arbre de vie. Bien-aimé, quand Yeshua répondait, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas venue. Ange Ayebisa qui est ma solo. Moi, Noaza Libumunayo. Yende Messie. Moi, Noaza Libumunayo. Yende Mosi Kolia Mokili. Elle avait la révélation. Bien-aimé, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Oh, bien-aimé, tu as besoin de la révélation. Pour qu'il y ait la révolution, il faut la révélation. La révélation permet à l'homme ou à la femme d'exercer son autorité divine. Bien-aimé, ayez un désir ardent pour la révélation. Seule la révélation peut déclencher une révolution dans ta vie. Connaissance, ezama bété. Connaissance, ezama lame. Mais nous avons la connaissance du bien qui vient du Seigneur. Et la connaissance du mal qui vient de l'ennemi, le diable. Ève, ayokaki, mungongo. Il y a un mutuel avec la connaissance de Yamabe. Satan, Dieu a-t-il réellement dit? Par coutume, par tradition, moi, ça, c'est comme ça, les cobos. Connaissance du mal. Mais la révélation qui vient de Dieu, oh, bien-aimé, libala ne kozana bosembo, libala ne kozana kimia. Moi, j'ai épousé une femme qui a la révélation. Mon épouse, la prophétesse Adassa, Lisa Mulolo, elle a la révélation. 22 ans de mariage. Na beta yete. Tozana kimia. Tovandina kimia. Parce que c'est une azala qui est lengue. Maman na ya boti ya memi na bonzambe. Akoli na bonzambe. Na balie na quatre églises na bonzambe. Azala génération ya Marie. Mon épouse a la révélation de Christ. Elle est soumise à moi. Et moi je l'aime comme mon propre corps. Bon li bala na biso ko kabona ndenge nini. Oko wuta wapi, bien aimé. Ce qui m'a balé zo kabwana. Quand j'étais encore très jeune, je suis un musicien. Il y a des femmes insensées, comme Marie et comme Ève. Elle était une femme insensée. Moi, c'est Zoba. Mais Marie, elle avait la révélation. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Une salutation qui vient du royaume céleste. Et ébranlé, et bouleversé, bon moïnaïe, changé, bien aimé dans le Seigneur. Ici-bas, nous avons deux types de femmes. Génération ya Ève, na génération ya Marie. Sokozali, ma sœur, génération ya Ève, Luka Nzambe, Bondela Nzambe, Alongola, na génération ya Ève, akotisa na génération ya Marie. Bien aimé, frères et sœurs. Une femme sage, la Bible nous dit, bâtit sa maison. Mais tu vois qui moi c'est à tonga kamboka tete basi ba tonga kamboka basi ba tonga kamboka na ko pesa exemple na génération na biso royaume à Belgique est dirigé par un homme, royaume ya Espagne est dirigé par un homme, mais royaume ya UK Angleterre Grande-Bretagne est dirigé par la reine Elizabeth. Économiquement, financièrement, dans le domaine de l'Union, le royaume de UK est dirigé par une femme. Et l'équipe royaume de Belgique, Moussika, et l'équipe royaume de Espagne. C'est ce que Paul disait, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous ne pouvons pas négliger les femmes. Moi, j'aime ma femme. J'aime ma femme. Après Dieu, Jésus-Christ, ici-bas, c'est ma femme. Je l'adore. On a cantique des cantiques. Je l'adore. J'adore Dieu. J'adore Jésus, qui est l'unique, le véritable Dieu. Après, ici-bas, j'aime ma femme plus que mes enfants. J'aime ma femme plus que mes enfants. Bien-aimé. Mais l'élo m'a bala moussoussou comme garabana. M'obala vandi pour nabana. Moi, ça vandi pour nabana. T'es bien-aimé. Donc, ici-bas, séminaire nabiso. Moukola lelo mouli mwanzambe kambinga. La femme sage a memaka change, a changé kaba situation chaotique, a modifié kaba circonstance négative. Tomoni yango bien-aimé. Marie a relevé le monde. Elle a accepté la parole qui vient du ciel. Mais Ève a détruit le monde. Depuis le jardin d'Eden jusqu'aujourd'hui, le monde est toujours détruit. Nabato bayambi Yesu lokola mokonzi pe na mobikiste nanzela mwasi. Mais ton di mape nanzela ya mwasi Marie a lié l'arbre de vie. Ève a lié qui arbre ya connaissance, bien-aimé. Connaissance du mal. Mais Marie a lié arbre de vie. Arbre wana de vie c'est Jésus et continue à libumuna 9 mois après les bien-aimés.
Marie a mis au monde la salutation de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, il est la salutation de Dieu au monde. Les lots ont mis Jésus, mon conduit, mon bic ici. Marie m'a mis à Jésus. Bas disciples, bas en acte, n'a fait y a cana. Bas oyé, bas te maïs, ma sangue sili. Boutou erezali avancé. Bas ébité nini bas ça là. Ce qui avait apporté la situation, qui avait changé si la situation en a chaotique, n'a fait y toyé biango. Tant que tu zalaki bas pagano. Bien aimé n'a fait bas monsieur bas qui n'a pas na roulette. Bas lire qu'on a bas bandako. Bas qui n'a mis pour na romela. Musique na masanga na bas fait. Mais bilé ezalaki. Na fête à Cana. Mais Moutou a même qui miracle. Oui, a poussé qui Yesu a ça la miracle. C'était Marie. Marie a yo qui Yesu a ébissé moi si. Li kamouni ni yonanga. Marie a comprendre. Elle m'a pas appelé maman. Mais a benginga moi si. Parce que c'est lui qui m'a créé. La parole faite chère. A benginga moi si. C'est pas une insulte. Oh, gloire à Dieu. Jésus a bengi Marie. Femme. Marie a comprendre. Elle avait la révélation. Bien aimé. La révélation. Yamone même a révolution à Bomo Yamoutou. Nous avons beaucoup de connaissances. C'est qu'il n'est plus Dieu. C'est la raison pour laquelle il est écrit, nous connaissons en partie. Mais la révélation amène, bien aimé, la révolution. Marie, elle a reçu la révélation. Tant que Bengi est femme, le Messie a Bengi une femme. Faites tout ce qu'il vous dira. A poussé Jésus à son miracle. Le premier miracle de Jésus ici-bas. Et ça, la maquine la Marie. Molingami, ne négligeons pas des femmes sages. Une femme sage bâtit sa maison. Bien-aimé, une femme sage bâtit sa maison. Et j'aimerais dire, hein, bien-aimé, dans une dimension christique, le Nouveau Testament, je ne parle pas de corps du Christ, mais dans le Nouveau Testament est né à partir de la salutation. Marie a reçu la salutation. La salutation est continue dans Matthieu et continue dans Bumo. Le Nouveau Testament est né à partir de la salutation. Je ne parle pas de la nouvelle naissance, bien-aimé. Séminaire Nabiso, na kosenga na bandeko Nabiso bon néglige rabacité. Même dans la Bible, tomoni moi Simoko, une femme sage, Déborah, elle était juge et prophétesse pendant 40 années. Na tangu na ye guerre ezala kite na Israël. Nakati na Bible elenge mwasi esclave na Babylone na Syrie ayebi si patron na moni général na ba lepre na nzoto soka ke na Samarie akozwe yano situation générale wana changer ki makambu na izala ki modifier à cause de la fille. Ne négligeons pas des femmes sages ici ba nous avons des sages et des femmes insensées. Nous avons des femmes sages bien-aimées dans le Seigneur. Qui a tué Sisera le général? Qui a tué Sisera? C'était une femme, elle était sage. Ici, baso ko kutni bala na yo, et ko kutani na moi si azali insensé. O alingi koye ba mingi, connaissance, li bala na yo koufa. Mais soko zungolo loko la ngai prophète King Élisée na joie, un bien Élisée, une femme qui a la révélation du Christ. Depuis bon mois na ye, maman na ye, mema na nzela nzambe. Depuis bon mois na ye akangama na nzambe na kutana na epe na église ya tante nanga na epse ma sœur na zana makambo mi bala ko ebiso te na lingina bala yo alobi na sit bondela soke za volonté nzambe ko balanga na chamos na litoite oje na zo mono boye na zo mono boye te na epse ma sœur je vais te parler vraiment na posa na bala yo na kenda na quatre chemete fiançailles ya une année sana e banzoto na ye na ko e banzoto na ndako ali bala. Sa tante prie avec ma tante. A l'obité, oko kende pa fiancé na yote. Yo bandaka ko yao, anko bana baluba, ya o baso banga nzambe, ya lelote. Na kende akangana yolo sud, ye na limete, na zo kende kake pa na bango. A tikala mukolo mokote ko ye pa nanga. Na tikala mukolo mokote ko meme na hotel. Po elle avait la révélation. Rapport sexuel en dehors du mariage, c'est un péché. Mais bino ba fiancé, ba zemi kolongola. Oza sœur, oza génération ya Eve. Ma soeur, longwa génération ya Eve, kota na génération ya Marie. Ba sangisa nzoto na Joseph ya Bible ete. Fiancé na ete. Ayoko sangisa nzoto tango, même tango Marie, sous l'on, azala ki couvert par l'onction du Saint-Esprit, ti azwa ki zemi, aboti ye na période de 9 mois, a sangisa nzoto te. Voilà la révélation. Tango Yesu, botami si maba. Ba yoko balana, ba yoko bota baleki ya Yesu.
Une femme sage change les circonstances négatives, modifie les situations périlleuses. C'est possible. Si tu as une femme sage, nous avons deux types de femmes. Bien-aimé, c'est la révélation que le Saint-Esprit m'a révélée, m'a donnée. Ma balle est au couvre à cause de ma femme insensée. Bazalib est belé. Bazalib est na katina église. Mobali na moisi bobimi et si kam place mokoboye. Moi, c'est Azul Bamobal à l'obarate. Non, ma soeur, tu es une femme insensée. On demande l'autorisation à ton mari. Chérie, tu permets, oui. Parle moins devant les hommes. Parle moins en public. Voilà une femme. Marie. La génération de Marie. Bamonde Bazo changer ma cambo. Tomoni Basi Bazo la faire. Bazo qui est de Liboso. Ce sont des femmes sages. Dans le bignon sauté. Au Bazakati na Yesu. Les femmes sages change des situations chaotiques et modifie les circonstances négatives. Nous avons deux types de femmes, les femmes insensées et les femmes sages. Oyobala, bien-aimé. Atosaka Nzambe, atchaka Yobala Nzambe na misala, na lobino te ka kenda ke église, atosaka Nzambe. Koto sa Nzambe zali ko tia en pratique le bana Nzambe. Mobali asambela kate, ayena ba kwiti. Au télémera kayete, aux intercédés, ti aye ba Yesu lokwa mokonzipe mobiki si, amela ka cigarette, asambela kate, bande ko finga yete, banda ko bondela, bien-aimé, pour être ayamba Yesu yo yamba. Voilà une femme sage. Ozora ba secret nozo bimisa libanda ya mobali na yo. Même ya bimbane ya kati, osokeza propreté ozo bimisa mo libanda. Même ba relation na bino intime, ozo bimisa mo libanda. C'est ça une femme insensée, ba signe yango wana. Mais une femme sage. Abeta kama solo ya chambre na camaradité na bande kopete. Une femme sage, c'est une femme qui a la révélation de Christ. To batu musu bakenda na église, baza na connaissance, mais baza na révélation te. Baza na nzambe pe ya basi musu na mibali, baza na connaissance, mais baza na révélation te. L'arbre de vie, il faut la révélation pour yebango. Satan ne voit pas, Satan regarde. Il y a une différence entre voir et regarder. Il y a une différence entre écouter et entendre. Moulingami, Satan ne voit pas. Et je suis désolé, prédicateur, Satan a Bible, a Bible. Dans le jardin d'Eden, il y a arbre de vie, il y a arbre de connaissance du bien et du mal. Frères et sœurs, c'est possible. Les le septième jour, le dimanche, le 28, nous avons clôturé le séminaire. Changer les situations chaotiques et modifier les circonstances négatives. Nous avons une balité. Linga avons une balité. Nous pour découvrir une femme sage. Mais ce que vous avez dans le cas de Yesu, vous avez un problème. La plupart des femmes, beaucoup, ce sont des femmes insensées. Azoda ksaka yebi na yebite. Bo yebi, ezaka katina Yesu. Bien-aimés frères et sœurs, ici, bah, nous avons deux types de femmes. Mais il y a des femmes sages qui ont changé de situation. Des femmes sages modifient les circonstances. Bien-aimés frères et sœurs, des problèmes dans les mariages. Il n'y a que deux femmes, deux types de femmes. Les femmes insensées et les femmes sages. Frères et sœurs, c'est possible à une femme sage de changer les circonstances et de modifier les situations chaotiques. Restez bénis. Par la grâce de Dieu, nous allons clôturer notre séminaire. C'était l'homme de Dieu, le prophète King M.B. Élisée, frère de Jésus-Christ, fils de l'archevêque Coutinho. Suivez-moi, bien-aimé, na YouTube maintenant. Il y a ma fille, Francine Ngembe, Congo Dialogue. Shalom. Congodialogue.com